La mission de Florence, Gauthier et Christophe portait haut les couleurs de laine au salon de l'agriculture. Et si la ferme parisienne est un peu déroutante, ces élèves du lycée de la Thiérache reprennent très vite leur marque. Là-bas, la grande à gauche, celle du milieu, là, encore mieux, je la mets à 2 voire 1. Mais quasiment à 1. Vous allez avoir une heure pour pointer les 4 vaches, donc prenez votre temps. Pointer, autrement dit juger, c'est Primolstein selon une grille de critères. Qualité corporelle, corpulence, musculature, etc. Christophe, lui, attend qu'Aisti se positionne bien pour évaluer l'angle de son jarret. Plus la note est basse, donc la note de 1, plus l'angle est, on va dire, cassé. Et plus la note est élevée, donc 9, plus l'angle est droit. Le jarret est droit. Et donc là ? Là, j'ai mis la note de 8. Les réponses des 86 jeunes candidats venus de toute la France sont comparées à celles d'un jury professionnel. Il faut se rapprocher le plus possible de leurs notes et calculs. La pression est palpable. Énormément de concentration, Gauthier. Oui, il faut te concentrer parce que sinon on n'arrive pas. C'est quoi les grandes difficultés là ? Mais c'est surtout les calculs à la face, un jonglage de chiffres, et c'est pas évident. L'objectif final du concours est de sensibiliser les jeunes à l'importance de la morphologie des animaux reproducteurs et pourquoi pas les inciter à devenir sélectionneurs. C'est vrai que c'est un plus qu'on va mettre, si on voudrait chercher une expérience professionnelle, mettre ça sur un CV, c'est formateur, quoi. Ça peut faire la différence. Aucun Axonais n'est allé en finale pour les Primolstein. Le lycée de la Thiérache aura une autre chance au pointage vendredi avec les Charolaises.